Thank you.
We'll be right back.
selon les dernières informations, ce sera le cas également avec Thomas Bollet. Oula! Attention, attention également, ce sera l'arrivée dès à présent à bord de ce podium. L'arrivée pour les autres coureurs, pour les places d'honneur. Messieurs, c'est l'arrivée sur la ligne. Regardez le déboulé avec, dis-moi, pas de soucis. Clément Ledeau, le troisième du championnat de France de cyclocross catégorie espoir. Le sprint du peloton également, Fabien Schmitt, l'ancien champion de Bretagne, l'ancien professionnel. Celui qui a été le lauréat sur le platel qui vient de remporter le Tour des Vosges, le sprint parfait est l'arrivée également avec celui qui a été à deux reprises dans le peloton professionnel. Applaudir encore plus fort, s'il vous plaît, c'est le citoyen du Mans qui va être récompensé sur le devant de ce podium. On sera notamment avec l'adjoint au sport de la ville de Morlaix, monsieur Yvon Laurence, qui était en été tout d'abord avec, puisque je voyais dans un premier temps, pas de soucis, je les connais parfaitement, que ce soit monsieur Yvon Laurence, que ce soit également les autres élus, puisque nous sommes avec Olivier Lebras, conseiller régional Bretagne, qui était tout à l'heure à notre micro, et ici la remise de ce maillot distinctif pour le coureur de la formation de Laval Cyclisme 53. Il s'agit de Célestin Guillon qui a été le lauréat l'an passé à deux reprises. Il avait remporté étape sur les boucles du Haut-Var. Il a été le vainqueur sur le Grand Prix de Percy. Il a été le troisième sur la vallée de la Loire. Merci, vous pouvez l'applaudir chaleureusement s'il vous plaît pour le coureur de la formation de la Laval Cyclisme 53, le plus combatif général sur le Tour de Bretagne. Trois applaudissements les plus fournis pour Joanne Lebeau. Merci, remise du maillot vert. Et cette fois-ci donc, pas de soucis, ce sera l'adjoint au sport de la ville de Morlaix qui aura tout loisir de remettre le maillot distinctif d'autation, que ce soit avec notre grand partenaire, puisque nous sommes avec Argel, c'est le cas également avec Coref. Un grand merci à l'ensemble des partenaires au niveau de la dotation pour ce classement, à savoir le maillot vert. Et pour cela donc, vous pouvez applaudir chaleureusement celui qui a été deux fois champion de France, qui a été champion d'Europe, champion du monde, qui avait remporté l'an dernier 17 victoires. Merci de l'applaudir encore plus fort, Joanne Lebeau. Aujourd'hui, nouvelle fois, quelle démonstration sur les routes de Carantec, Joanne. Oui, c'est vrai que ça a passé assez difficile, ça a enlevé toute la journée, beaucoup d'attaques. Chose que ce matin, ce que je voulais, c'était arrivé dans le premier, c'est chose faite. Je n'apprends rien contre la montre individuelle, 8 km à négocier, un exercice que tu affectionnes. Ah oui, c'est sûr, j'aime bien le chrono maintenant, on verra, c'est vrai que je suis un peu un objectif dans un chrono, mais derrière, merci, bonne continuation, vos applaudissements destinés à Joanne Lebeau, s'il vous plaît, du team WB Fibolia Lopminé. Le voilà de rejoindre. On accueille sous vos applaudissements, quatrième victoire pour la saison de 2022, pour celui qui avait remporté la victoire sur les Sorts Basques, qui a été le lauréat sur le circuit du Morbihan, sur la Flèche de Lopminé, qui avait remporté l'an dernier également le Tour de Bretagne, qui va se retrouver aux côtés de Madame le maire, qui aura l'occasion justement donc de le récompenser comme il se doit. Nous sommes avec Madame Nicole Ségalin-Hamon. Merci donc de nouveaux applaudissements dignes de son talent. Il a bien mérité ce marque de reconnaissance. On soit dans la cœur joie, s'il vous plaît, Jean-Louis Lenille, du team WB Football qui a nominé. Merci. Un peu la revanche sur le terrain par rapport au Tour de Bretagne. Non, pas forcément une revanche, disons, le dernier, Joanne était vraiment très fort quand il est sorti, personne n'a pu le suivre, et voilà, je savais qu'il voulait arriver dans le même temps que tout le monde, donc voilà, il fallait la bosser. Bonne continuation également sur les routes du Nord Finistère, vos applaudissements, vos encouragements, destinés à Jean-Bouillonis, le vainqueur de la première étape. Merci à lui. Nous sommes cette fois-ci avec le leader, le voilà, de nouveaux applaudissements pour le leader du team WB Fibolia Lopminé. Merci à Jean-Louis Lenille, merci de l'applaudir encore plus fort s'il vous plaît, merci à vous. De nouveaux applaudissements pour le vainqueur de la Route Finistérienne version 2021, Florian Rapido. Merci de l'applaudir, merci à lui.
pour celui qui avait remporté Bretagne Sud, qui avait été le lauréat sur Manche Atlantique avec à nos côtés l'un des leaders de la formation de la balle cyclisme à 53. Il a été 6 fois champion de France sur piste, 4 fois champion d'Europe. Il a été également le lauréat de l'essor breton en 2016. Vos applaudissements destinés à Florian Maître. Merci.